Westphalie, dans le château de Monsieur le Baron de Thundertuntronk, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. C'était un charmant garçon d'esprit simple et bon sang. Candide et Pangloss s'embarquèrent pour le Portugal avec leurs bienfaiteurs, mais en vue du port de Lisbonne, le vaisseau fut assailli de la plus terrible tempête. Apparemment, ces messieurs ne croient pas au péché originel. Car, si c'est tout pour le mieux, il n'y a donc ni chute, ni punition divine. Je demande très humblement pardon, Votre Excellence, car la chute de l'homme et la malédiction entraient nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. Reprenez un peu de cet excellent Porto et expliquez-moi ça. Attendre à
signe du destin. Ému et troublé par ses retrouvailles incongrues et par la blancheur de sa peau qui surpassait celle du capitaine bulgare, elle recommanda à sa vieille servante d'avoir soin de lui et de le faire venir en ces lieux dès qu'il serait rétabli. À tout ce qu'une éconde, ne désespérez pas, voici le mot. La guerre, cette ogresse, répandait ses horreurs, autant la peau des fesses. Je ne pensais qu'à vous, au milieu des cadavres, je souffrais en pensant, la vie est admirable. Le chemin est long jusqu'à Cayenne et les embûches multiples. Bientôt, leurs chevaux moururent de fatigue, leurs provisions furent consumées. Et ils se trouvèrent enfin près d'une petite rivière, montèrent dans un canot vide et se laissèrent dériver au hasard. Ils voguèrent quelques lieues, puis la rivière s'élargit et fut engloutie par une caverne. Elle les porta avec fracas et rapidité pendant 24 heures, où ils crurent 100 fois chavirer. Enfin, le jour reparut. Et ils découvrirent un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin. Partout, des prairies vertes, de gros moutons rouges,
traînant des carrosses pleins de gens heureux et séduisants. Ils virent des enfants vêtus de brocart, jouant avec des pierres précieuses comme si c'était des billes de verre. Ils purent se restaurer dans des auberges gratuites. Ce pays merveilleux, leur dit-on, se nomme Eldorado. Échappa. Je suis au comble du bonheur. Je vais retrouver Cunégonde et j'ai près de moi un ami de plus. Oui, et quelques diamants de moins, je suppose. Mais regarde, Candide. Au bord du fleuve, n'est-ce pas Cunégonde qui est en nage? Aussi qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, car l'homme fut mis dans le jardin d'Éden pour qu'il y travaillât. Ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner. C'est le seul moyen de rendre la vie supportable.
Merci.